Tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News, pour une toute petite vidéo en fait, très particulière, parce que là, je constate beaucoup sur le net et puis beaucoup de gens m'en parlent, comme vous allez pouvoir le voir en fait sur le titre de cette vidéo là, c'est que beaucoup de gens disent, beaucoup de sites internet disent comme quoi en fait, eh bien le jeu Grand Theft Auto 6 est officiel, officialisé en gros par Rockstar, par des personnes qui travaillent de chez Rockstar et tout. Alors, on n'est pas con, premièrement, c'est que forcément le jeu est en cours de développement, forcément, on n'est pas débile. Mais il y a pas, c'est pas officiel, voilà. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de personnes, forcément, vu que je fais une petite série sur ce jeu-là, qui m'en parlent et qui me disent, hey, Christo, t'as vu le jeu Grand Theft Auto 6, il est enfin officiel. Et ça, on me l'a dit, par exemple, hier soir quand j'ai vu des potes. Et en fait, non, c'est pas du tout officiel. Ce sont des rumeurs, des grosses rumeurs, et même des sites internet qui veulent faire tout simplement le buzz et qui veulent, voilà, dire comme quoi c'est confirmé et tout pour que les gens cliquent dessus, voilà, et que ça fasse un peu pas mal de vues sur leur article. Et ça, c'est mauvais, parce qu'en fait, on peut appeler ça comme de la désinformation. Je viens de voir à l'instant, en plus de ça, et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que je vais vous le montrer sur l'écran, je vais vous mettre le screen, que j'ai une petite capture d'écran. Je sais pas si ma page est toujours ouverte sur Internet, si c'est ça, ouais, en plus c'est parfait, c'est ça. Par exemple, sur le site de Micromania, Leslie Benzies, directeur de Rockstar North, Rockstar Games, l'a confirmé. GTA 6 est en préparation. C'est quand même la page Facebook de Micromania qui nous dit comme quoi le GTA 6 est officiel. Moi, je suis en train de vous dire que c'est pas officiel, c'est facile de dire que c'est officiel. Par exemple, là maintenant dans cette vidéo là je peux vous dire, oui, enfin le jeu GTA 6 est officiel. C'est pas vrai, c'est juste ils ont, je sais pas, le mec, le modérateur de la page Facebook par exemple de Micromania, et ben il s'est complètement trompé, c'est même de la désinformation. Il n'a pas à faire ça, c'est quelque chose de pas correct. En plus de ça, c'est quand même quelque chose où les gens vont se dire, bah si Micromania c'est quelque chose par exemple d'assez sûr, mais que voilà, ils annoncent quelque chose là, on est pas débile. On n'est pas des crétins, on sait très bien que GTA 6 va sortir, mais qu'il est en cours déjà de développement. Ça, c'est déjà les premières phases, les premières étapes, et bien là, pour la sortie d'un jeu, c'est faut qu'avant qu'il soit développé, mais qu'il n'y a rien d'officiel. Je tenais juste à vous préciser ça là, vraiment dans une vidéo un peu express, rapide, pour vous dire que voilà, attention les gens à ce qu'on peut retrouver sur le net, comme ces sites là qui vont vous confirmer. Moi, dans mes vidéos par exemple, je vous confirme que lorsque c'est officiel. Par exemple, quand je vous ai donné des informations pour votre GTA 5, je vous ai dit ça, c'est officiel, par contre ça, je pense que ça peut être possible. Voilà, faut aussi faire la petite liaison, par exemple ma petite série là, quand je vous dis pas que c'est officiel le jeu. Leslie Benzies a parlé pour ce futur GTA, pour les futurs GTA, mais n'a pas dit comme quoi, voilà, il y aura bien un Grand Theft Auto 6. Faut faire attention aussi avec ça, avec les articles et tout, et surtout avec la désinformation. Je trouve que c'est dommage, surtout de voir sur la page Facebook officielle de Micromania, et bien de voir quelque chose qui n'est pas vrai, même si on sait très bien que quelque part, eh bien, Rockstar sont en train de développer le futur jeu, le futur Grand Theft Auto, voilà, mais qu'il ne faut pas dire quelque chose alors que ça n'a pas été officialisé. Tu dis pas, oui, c'est officiel et tout, ça a été annoncé par Leslie Benzies, encore pire, par le directeur de Rockstar North. C'est-à-dire que tu es en train de dire, de parler à la place, eh bien, du directeur de Rockstar, et de dire, oui, donc il a dit que c'est officiel. Non, il n'a pas, il a rien dit, là, il n'y a rien. Voilà, peut-être ça peut être une annonce pour le jour de Noël, si on peut en parler, peut-être le jour de Noël, il peut annoncer, voilà, pour l'année 2017, 2018 ou 2019, eh bien, il peut avoir la sortie du futur jeu, ou alors il peut tout simplement dire pour l'année 2015 sur son Twitter, ça sera surveillé, eh bien, voilà, il y aura, Rockstar est en train de développer le futur Grand Theft Auto, quelque chose de très possible pour ce Noël-là, histoire de remettre beaucoup d'audience, eh bien, sur ce futur jeu-là. Beaucoup de sites internet en parlent et tout, il y a pas mal d'informations, enfin, d'informations, mais d'informations aussi, des petits leaks, des trucs comme ça, par-ci, par-là. Ça peut être intéressant à regarder, donc je vais essayer vraiment de vous donner un maximum, eh bien, d'infos, enfin, en tout cas, des dernières choses qui se passent sur le net. Mais attention, Rockstar n'a pas officialisé, eh bien, le jeu GTA 6. Voilà, c'est une petite info pour vous. Faut faire attention quand même avec les désinformations. Moi, j'en fais pas sur ma chaîne. Je vous dis quand c'est officiel ou pas. Les gens, ils comprennent ou ils comprennent pas. Ça, c'est leur problème. C'est pas mon problème. Mais moi, j'ai absolument rien dit. Quand je vois que sur le site de Micromania, ils disent quelque chose alors que c'est pas forcément vrai, voilà, faut se poser quand même des questions. Regardez, juste derrière moi, il y a une petite enceinte, juste une petite parenthèse, que je vais vous faire un unboxing dans pas longtemps. Donc c'est moi en fait là en train de gérer en fait ma petite enceinte. C'est une enceinte avec des LED, et donc là juste voilà, je peux activer, désactiver, je peux faire afficher en fait tout ce que je veux sur l'écran.
Donc ça, je trouve ça assez drôle. Donc voilà, c'est une petite vidéo. Là, j'ai fait un petit P pour un peace out, mais j'ai pas eu le temps de vous faire un peace out. Voilà, donc bref, ça c'est une petite parenthèse. En fait, je suis super content de l'avoir reçu. Et puis surtout, c'est du bon matos, je trouve ça assez drôle. Hop, voilà, par exemple, on peut faire afficher un petit truc. Donc voilà, c'était une petite vidéo vraiment pour vous avertir. Attention les gens, s'il vous plaît, ne dites pas aux gens oui, j'étais assis, c'est officiel, ce n'est pas vrai. Voilà, je le répète, ce n'est pas vrai. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, vous faites comme vous voulez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. De toute façon, ce soir, vous aurez une vidéo unboxing d'une autre enceinte. Et puis vous aurez prochainement cette enceinte-là. Et puis demain, il y aura un concours, des lots à gagner, des petits trucs comme ça que j'ai reçus. Voilà, c'est un petit geste que je fais pour vous, pour Noël, pour les gens qui me suivent. Voilà, peace out.